on va dire que ça fait du bien. Et c'est vrai que oui, j'ai eu une petite période là compliquée suite à mon déménagement donc à Caen, donc c'est vrai que j'ai dû me réorganiser, etc. Et c'est vrai que cette compétition, ça me permet de commencer à reprendre confiance en moi et de trouver de nouveaux axes de travail pour les championnats d'Europe. Comment tu t'es senti déçu à la sortie de l'Open de Paris? Comment tu te sens maintenant aujourd'hui? Tant que j'ai pas accompli mon objectif, enfin que j'ai pas atteint mon objectif, je dirais que je suis toujours au même point. Maintenant, voilà quoi, l'Open de Paris, c'est vrai que ça m'avait démoralisé parce que perdre le premier tour, c'est jamais satisfaisant. Après, à Rotterdam, je suis allée un peu plus loin, mais je voyais que je progressais un peu plus. Maintenant, je dirais que je serais contente quand. Est-ce que d'évoluer à domicile, ça t'a mis une pression aujourd'hui? Est-ce que t'as gambergé là-dessus? Non. Non, au contraire. Je pense que ça m'a permis de me transcender davantage. Après, là-dessus, je ne me mettais pas trop de pression. Je savais pourquoi j'étais là et ce que je devais faire, donc voilà.